Alors, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui de 23, lundi 23 mars 2015. Précisément, il est pratiquement 12h24 à ma montre. Je vous parle depuis ma résidence à Divo. C'est par rapport à ma venue au niveau de l'Europe, surtout précisément en France. C'est vrai que les gens disent « Ah, le prophète a donné plusieurs dates ». Non, ce n'est pas parce que j'ai donné plusieurs dates. En fait, je travaille avec des gens. Et puis, en même temps, j'ai l'esprit de Dieu qui me convainc par rapport à certaines choses. En fait, j'avais une pression au niveau de l'Europe où je devais moi-même personnellement entrer pour régler certaines choses. Mais en même temps, j'ai une église. C'est ce que vous devez comprendre parce que je ne sais pas pourquoi vous êtes exigeant. Parce que, excusez-moi, ce n'est pas quelqu'un qui paye mon billet d'avion. Ce n'est pas vous qui payez mon billet d'avion. Vous qui appelez le service de... d'organisation pour les Amérindiens, ce n'est pas vous, venons justement pour vous aider. Voilà, moi ce n'est pas l'Europe qui m'intéresse, c'est apporter l'aide spirituelle. Or j'ai décidé de venir cette année afin de pouvoir aider tous ceux qui sont de la diaspora. Tous les papiers sont ok, on a plus encore de premiers papiers, mais n'oubliez pas que moi j'ai une église ici. J'ai une église au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut organiser après moi. Et ça c'est vraiment important et ça prend du temps. Je revenais à peine même de Lomé. Je devais rentrer sur Paris, mais en même temps j'ai compris qu'il fallait vraiment faire la Pâque ici, il fallait aussi boucler l'organisation au niveau de l'église. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes exigeants, vous appelez les gens, le prophète a donné des tas, nous souffrons tout ça, mais je pense bien que vous devez comprendre, c'est avec les démons vous devez vous fâcher, vous devez plus vous fâcher et vous devez mettre ça en prière. Voilà, vous devez plus mettre la chose, ma venue en Europe en prière, que de se plaindre, Voilà, qui de se plaindre, se plaindre. Vous appelez le service de communication. On vous a donné un numéro pour vous rassurer que ces personnes vous rassurer. Et vous prenez les numéros, vous appelez les personnes, vous vous plaignez. Comme si c'est vous qui me faisiez venir en Europe pour pouvoir me balader. Je ne vais pas en Europe me balader. Je viens en Europe pour vous aider, vous apporter une aide spirituelle. Et je pense qu'il faut vraiment être sage. Quand on vous donne les numéros, c'est pour que vous puissiez vous comporter avec beaucoup de sagesse. Appelez le comité d'organisation. Pour qu'ils puissent vraiment vous expliquer un peu tout. Pas pour les engueuler, pas pour les plaindre, parce que les gens se plaignent. Voilà, donc je pense même que Dieu nous a donné la sagesse. Il faudrait qu'on puisse vraiment se respecter. Moi, le prophète Crasso, j'ai une église ici. J'ai un personnel que je gère. C'est pas parce que c'est l'Europe que je vais courir. C'est pas parce que j'ai donné les différentes dates. Je devais être là le 20. Et après ça, j'ai décidé de venir le 25, 5 jours après. Mais je constate que j'ai la Pâque. Et je ne peux pas laisser cette église pour venir en Europe. Et ça, celui qui ne veut pas comprendre. Et ça, je pense bien que cette personne aura peut-être problème avec Dieu. Parce que nous avons une église ici. Après nous, il y a une église. Quand j'irai en Europe, j'ai une base. Il faut vraiment organiser. Et ce sont mes grands fonds. Et c'est cette église que je dirige. Il faudrait forcément, naturellement, faire l'affaire de Pâques avec, plutôt Pâques avec cette église. Maintenant, je vous laisse les contacts. Mais je vous aime. Voilà, je vous aime. C'est par amour pour Dieu que je viens, n'est-ce pas, pour vous aider au niveau de l'Europe. Et l'Europe, c'est une question de... Ça va prendre un peu de temps parce que il y a pratiquement 4 villes en France. J'ai Paris, j'ai Bordeaux, j'ai Lyon et Marseille. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment bien organiser parce qu'après moi ici, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres choses. Donc, je prends le temps d'organiser. Et maintenant, fêter la Pâque, qui est une grande fête ici pour nous. Une grande fête religieuse, une grande fête chrétienne. Il faudrait vraiment fêter cette Pâque avec toute mon équipe. Je vous laisse la numéro sud de Paris. Mais s'il vous plaît, n'appelez pas ces personnes pour les engueuler. Voilà. Parce qu'on m'appelle, on dit, ah, les gens se plaignent, tout ça. N'appelez pas ces personnes pour les engueuler. On vous donne les numéros. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas un homme qui dit des choses, des paroles en l'air. Voilà. On vous a pas fait cotiser, vous faire venir en Europe. On vous demande d'appeler ce service. Eux seront capables de vous donner plus d'informations sur ma venue au niveau de l'Europe. Donc, je serai maintenant en Europe après la Pâque. Voilà, après la Pâque. Et vous pouvez appeler le numéro, c'est tant qu'ils vont vous donner les dates. Voilà, la date. Sinon, moi, je ne suis pas prêt à venir maintenant. Si ce n'est pas après la Pâque, c'est quand je vais finir avec la Pâque que je serai en France, en Europe. Ceux de Londres sont venus, nous avons tous les documents. Mais moi, j'écoute la voix de Dieu. C'est que vous ne savez pas ce que je suis prophète. Moi, j'écoute la voix de Dieu. Voilà, donc vous appelez plus 337. Je reprends plus 337, 51 52 05 00. Elle s'appelle Diamant. C'est une dame. Elle s'appelle Diamant. Plus 336 51 52 55 00. Vous appelez aussi plus 336 13 75 33 87. Plus 336 13 75 33 87. Maintenant, en ce qui concerne
les organisations sur le YouTube, sur le Skype, par rapport à la délivrance au niveau de Skype, tout ça. Le numéro ne change pas. C'est plus 49 17 66 70 56 902. Maman Naomi, l'appeler Maman Naomi, par rapport à ce rendez-vous manqué la dernière fois. Donc, on aura encore notre rendez-vous ce mercredi. Vous l'appelez Maman Naomi pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, organiser cette rencontre ce mercredi. Voilà, parce que la dernière fois, je n'étais pas dans le réseau. Voilà, donc que Dieu bénisse, je réponds encore le numéro de Maman Naomi. C'est plus 49 17 66 70 56 902. Vous la mettez probablement pour vous plaindre, le prophète il va venir, mais écoutez, soyez beaucoup sages. Moi je vous conseille plus la sagesse, je vous exhorte à être beaucoup sages, c'est important. Ma venue en France c'est pour vous aider, voilà, c'est pour pouvoir vous aider, mais soyez beaucoup sages, ne soyez pas exigeants, parce que c'est pas quelqu'un, c'est pas vous qui payez mon billet d'avion, j'ai décidé de venir vous aider. Alors soyez un peu souple et puis beaucoup de sagesse avec le comité d'organisation. J'ai décidé de donner le numéro du comité d'organisation. En fait, que vous puissiez entrer en contact avec eux pour qu'ils puissent encore vous donner plus d'informations. Voilà, je vous aime. Que Dieu bénisse.